there's a fire, burn the fire brigade. Help us, oh, tonight we are losing, losing this fight. Oh, help us, oh, tonight. Yo les gars, c'est Jérémy Jimalé, 6ème partie du tirage TX9000, il lui reste 94 000 gemmes, voilà, sur son tirage de folie qui est à 200 000, je sais plus quand. Oh là, ces rooks sont quand même déjà dans les 9 sur 10, certains 8, voilà, 7. Oh, c'est quand même quelque chose qui se construit. Bon, après, c'est la dernière partie qu'il m'a envoyée, la prochaine ne sera pas pour tout de suite. Là, en plus, il a fait un bon boost en puissance. Il a fait, attends, je vais récupérer les messages derrière, voilà, il est passé dans les 90 000 de puissance. Et ouais, ça rend quelque chose de vraiment bien maintenant sur son compte. Il est passé à 94 000 de puissance et c'est vraiment pas mal. Squelettica, Rose, ouais. Donc ça rend quelque chose de ouf. Allez, compte vampire. Directement, assassin, triton, roi fantôme. Oh, roi fantôme, bon, je pense pas que ça va être utile tant que ça pour lui, mais ça reste un héros qui met beaucoup de DPS, donc c'est cool. Voilà. Et je rappelle, en plus, durant son événement, là, en tout, il a été, avec les recrutés gagnés, il y a plus de 110 000 gemmes qui ont été récupérées sur l'event recrutés gagnés. Donc ça rend quelque chose de... Ouh, de fou, quand même. Bon, après, c'est sûr qu'il faut pouvoir mettre autant au départ. Ouais, bon, voilà, c'est clair, tout le monde peut pas le faire. Mais là, pour ceux qui sont chauds patates, c'est vrai qu'il faut avoir de la patience. Et par contre, après, ça vaut le coup. Ça fait des gros tirages toutes les semaines. C'est assez ouf. Allez, ninja. Exactement. Triton, reine de serpent. Allez, hop, hop, hop. Panda, goutte de cristal. Diabolique, on l'avait vu tout à l'heure. D'accord, bon, ça reste un héros. Oh là là, on va pas voir un triple légendaire complet hein, chez lui. La dernière fois c'était pareil, on a eu un double légendaire avec un champion gélatineux. Et là pas de triple. Je crois qu'on en a pas vu des triples durant tous ces tirages. Ça me dit rien, en tout cas ça m'a pas marqué à ce point là. Père Noël, bon, c'est pas fou mais ça te servira peut-être pour des donjons. Ouh, voilà voilà, ça c'est bon ça, on en a jamais trop. Si tu veux en monter plusieurs, un de ces quatre. Ouais Mickaël, par contre là je crois que t'es tranquille, même avec l'équipement derrière, ça va le faire. Ouh, création encore, bon, d'accord, ok, bon, je le trouve pas si fort que ça non plus, après dans certaines situations, avec des talents surchauffe, là, il peut être un peu relou quand même, comme on a vu en défense sur Olive, par exemple, Duc Citrouille, Père Noël encore, Père Noël, moi, j'ai quand même pas mal utilisé, même dans la porte 7, pour en valider, je crois que je l'ai même utilisé pour en faire une à 100%, qui était assez casse-pied, à chaque fois, il restait un petit bâtiment sur le côté. Bon, après, il a fallu avoir le coup de chance que ça tire sur le bon paquet, mais ouais, ça s'est bien passé. Allez, démon de glace, chaman, ange, loup-garou, reine de serpent, maraudeur. Ouh. Allez, on y croit. Et oui, c'était Rose, voilà, qu'on avait toujours pas sur son compte. C'est vrai que là, il serait temps de pointer le bout de son nez, là. Hein. Bon. Reine de serpent, cyclope, Rudolf. Non. Allez, démon de glace, cyclope. Triantor, bon, le Triantor en a carrément besoin, c'est sûr qu'en plus avec Revita 5, c'est le feu. Voilà, histoire d'avoir les héros ressuscités illico presto. Hop, 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 hop. Ouais, goutte de cristal, c'est pas fou. En légendaire, c'est pas dingue hein, cette fois-ci, j'ai l'impression. C'est vraiment pas dingue. Au niveau de la place, ça tient le coup. Oh là là, il y en a tellement. Squelettor, il n'y en a que deux de Squelettor de côté. J'ai pas vu combien il en a sorti, mais. Mickaël 2 aussi, ah oui mais c'est vrai, il a sorti quand même beaucoup d'héros pour voir s'il y avait des bons talents qui étaient sortis d'office. Allez, en tout cas, il y a 11 000 gloires de côté, c'est déjà sympa. Hop, allez, Reine de Serpent, Cyclope, Sirenia, bon, pour les archidémons, c'est indispensable, mais bon, à part ça, c'est pas ouf. Sucre d'orge, ça n'a jamais été ouf du tout, ça par contre. Goutte de cristal, garou, triton, non. Revenant, ah ça c'est ballot aussi ça, oh là là, sans déconner, démoniste, ouais, bon lui c'est un bon sniper, c'est sûr, surtout à 12 sur 12, hein. Mais bon là 12 sur 12, il faut avoir un paquet de gloire, hein. Faut vraiment avoir que ça à faire, je pense, hein. Panda, Mekate ça, voilà, il y a en plus un archidémon qui renvoie les dégâts, où elle est très pratique, Crève-cœur, voilà, parce que vu qu'elle peut avoir un nombre de dégâts reçus limité, un peu comme le Skeletor, et puis... elle fait quand même pas mal de dégâts par seconde aussi, elle va très très vite. Donc surtout s'il y a un duc derrière, voilà. Oh, c'est la folie. Maraudeur, démon de glace.
C'est pas ouf ouf à un hein, niveau héros là, à part le création qui était création et voilà dans les derniers héros. Bon, il y avait eu deux Wendigo aussi au tirage précédent, c'est déjà pas mal, et puis plus deux Athéna, il me semble, ouais. Donc bon, à la limite, on faut pas trop se plaindre non plus. Revenant, ouais, non, ça c'est pas la folie folie. Et ouais, je vois en plus qu'il nous reste 2 minutes de vidéo. Cupid, bon, bah, Cupid il reste indispensable, c'est sûr, mais voilà. Bon, bah voilà, c'est parti. Je crois qu'il va récupérer ses récompenses comme la dernière fois. Et puis la vidéo va pas tarder à s'arrêter. En tout cas, je pense qu'il va continuer à m'envoyer ses parties s'il continue. Mais c'est vrai que de mon côté, je crois que les vidéos tirage, je vais faire une pause. Je vais essayer de voir si j'arrive à prendre un rythme avec Fortnite là dans mon côté. Après, il y avait le jeu Lineage 2 là qui a l'air de bien me tenter. Du coup, on verra ça. J'avoue que j'ai pas encore réfléchi totalement posé. J'ai largement de quoi m'occuper de mon côté en attendant. Et voilà. En tout cas, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu encore une fois. Puis en tout cas, bah, on se dit à très vite sur Fortnite pour ceux qui veulent. Et peut-être sur Lineage 2 en jeu mobile. Voilà. En tout cas, c'est un jeu mobile qui est assez gros. Mais il a l'air sympa niveau graphique et tout. Voilà. Allez, on se dit à très vite. Et toi, TX, bah, t'as plus qu'à profiter de tous tes héros. Franchement, là, tu vas en avoir dans tous les sens. Tu vas pouvoir augmenter dans tous les modes. Et mais par contre, toujours pas rose, courage à toi, ouais, 90 cartes de réinitialisation d'enchantement, ça c'est ouf. Et puis en tout cas, allez, on se dit à très vite, tchuss!